D'abord, ces nouvelles du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. À l'issue d'une rencontre tenue hier à New York, cet organe de l'ONU a adopté une déclaration dans laquelle il condamne fermement l'augmentation du nombre d'attaques commises par le M23 au Nord-Kivu ces récents mois et les avancées réalisées par ces derniers sur le terrain. À l'unanimité, les nations membres de cette structure exigent la mise en œuvre pleine et immédiate des engagements pris en faveur de la cessation des hostilités, la fin de toute nouvelle avancée du M23 et son retrait de tous les secteurs occupés par le M23 comme convenu dans le processus de Luanda approuvé par l'Union africaine. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo se dégrade avec une multiplication des attaques des groupes armés. Les échanges ont en particulier porté sur les attaques du M23 qui aggravent les conditions de sécurité et la situation humanitaire et portent atteinte à la stabilité de la région. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité a émis des demandes claires, la cessation immédiate des hostilités, que le M23 arrête toute nouvelle avancée et qu'il se retire de toutes les zones occupées conformément au processus de Luanda. Les groupes armés congolais doivent participer au processus de Nairobi en vue de leur démobilisation. Les groupes armés étrangers doivent retourner dans leur pays d'origine. À Goma, la délégation du Conseil de sécurité a rencontré le gouverneur militaire du Nord Kivu, le ministre de la Défense et le ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire. Nous avons pu aborder la situation sécuritaire gravement détériorée dans la région du fait de la multiplication des attaques des groupes armés et terroristes. La mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, la situation humanitaire et les causes profondes des conflits. Pour conclure, le message du Conseil de sécurité lors de cette visite a été clair. La République démocratique du Congo n'est pas seule. La souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les partenaires internationaux, les Nations unies, les organisations régionales doivent agir ensemble en soutien à la stabilisation de la région des Grands Lacs. Les États-Unis appellent toutes les parties à mettre en œuvre ses engagements pleinement et rapidement. Les États-Unis réitèrent son appel à l'endroit du Rwanda pour qu'il fasse cesser son appui au mouvement M23, faisant l'objet de sanctions du Conseil de sécurité. Nous rappelons à tous les États qu'il importe de respecter l'intégrité territoriale des États. Il s'agit d'un pilier fondamental de la charte. Et c'est un principe que le Conseil travaille d'arrache-pied afin de protéger. Les actes du Rwanda et du M23 ont exacerbé une situation au demeurant fragile et préoccupante. Les États-Unis sont préoccupés de longue date par le fait que les FARDC coopèrent avec des groupes armés dans l'Est, notamment les FDR. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, nous réitérons l'appel lancé au RDC afin qu'il veille à ce que ses forces armées soient professionnelles et qu'il fasse cesser la coopération avec les groupes armés.